Donc retour sur le mois de décembre où j'ai fait une petite session dans un étang privé. C'est un étang que je connais pas du tout, donc je suis là pour un petit 48 heures avec un ami qui m'a présenté au propriétaire. Donc j'arrive, bah, je commence par sonder l'étang. J'ai déjà posé des canostics. Donc je ne connais pas les poissons, je ne sais pas quelles sont leurs habitudes. Donc je vais partir sur une base d'amorçage pelé, parce que c'est apparemment avec quoi le propriétaire les nourrit. Amorçage pelé, maïs doux, et voilà. Donc à ce moment-là, j'ai une longue phase d'observation de l'étang pour voir l'activité, mais on est quasiment fin décembre, donc il y a très peu d'activité, donc le moindre signe, je le guette. Donc le propriétaire a tenu à garder des endroits sauvages sur l'étang, donc il y a quelques arbres immergés, des racines dans l'eau. Donc bah, je vais positionner une canne sous un arbre, une canne en pleine eau, une canne sur la bordure d'en face vu qu'il n'y a personne sur l'étang. Et puis voilà. Donc cette période d'observation m'a été très utile, donc je sais où mettre mes cannes pour la nuit. Et ben, je vais faire mes 48 heures comme ça, hein. Enfin, il reste que 36 heures, mais bon, je vais faire mes 36 heures restantes sur les observations que j'ai eues, donc sous l'arbre, en pleine eau, et je vous donne les résultats ensuite. Donc voilà la première nuit, premier poisson, et quel poisson? 15,8 kg, donc j'étais très content. J'avais posté ça sur TikTok directement. Donc le lendemain, rebelote, un deuxième poisson, un très joli poisson, linéaire sur le dos. Pas très gros, mais une jolie souche. Donc voici quelques poissons que j'ai pêchés là-bas avec mon ami. Donc si vous avez belle d'y aller, allez-y. Les propriétaires sont très sympas. Des jolis postes et du joli fish. Allez, à bientôt.